Eh bien salut à toutes et à tous les gars, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. C'est la première vidéo que je fais sur le terme de FC25 et s'il y a bien un domaine que j'aime parler lorsque l'on aborde les potentielles nouveautés du prochain opus de EA, c'est bien sûr ces stades. Quoi de mieux que de parler de ces arènes qui nous permettent d'évoluer au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des matchs dans ces arènes et de vivre une atmosphère nous poussant de plus en plus vers le réalisme. C'est vraiment un domaine qui me passionne déjà dans la réalité, étant donné que je fais énormément de stades dans mon temps libre, mais aussi dans le jeu, et chaque année je me joue un petit peu à ce jeu d'essayer de vous parler des stades que j'aimerais potentiellement voir arriver dans le prochain opus. Alors cette année j'ai décidé de ne pas parler de stades que j'aimerais voir, j'ai laissé une petite rubrique, hein. Je vais séparer cette vidéo en trois parties. La première partie avec des stades très probables que l'on risque de voir arriver dans le prochain FC25. Bien sûr, ces noms de stades vous seront expliqués les raisons de ces ajouts. Ensuite, je vais parler un petit peu des stades français, plus précisément en Ligue 1, puisque eh bien, chaque année, on se pose la question si on aura le droit, enfin, à une plus grande modélisation de ce championnat qui nous est très particulier pour nous francophones. Et pour terminer, on passera un petit peu à mes petits coups de cœur, à mes petits envies, à mes petits pronos sur de potentiels stades qui pourraient être ajoutés au vu du prochain jeu. Simplement, je vous invite à liker, commenter, partager et bien sûr utiliser l'espace commentaire qui est très précieux dans ce genre de vidéos, puisque peut-être certains d'entre vous ont des avis qui pourront être peut-être une idée à nous donner les potentiels stats qui seront ajoutés tout au long du prochain FC25. On sait que désormais des stats peuvent être ajoutés durant le jeu mais aussi à sa sortie. J'espère qu'un maximum seront ajoutés. Cette année, on a eu une dizaine de stades ajoutés dans le FC24. Et on va donc essayer maintenant de parler un tout petit peu des stades qui seront très probablement dans le FC25 lors de sa sortie. Alors pour remettre un tout petit peu dans le contexte, EA a ajouté lors de ces peut-être 5 dernières années beaucoup de championnats. Et quand j'attends par championnat, c'est une modélisation générale de tous ces championnats. Hein. Pour vous faire un peu dans l'ordre, on a toujours eu beaucoup de modélisations de stades en Première Ligue. Aujourd'hui, on le sait, la Première Ligue est un championnat qui voit constamment tous ces stades être modélisés. Pas forcément au début du jeu. Hein. Souvent, le promu doit attendre quelques mois avant de voir son stade sortir. Mais à la fin, hein, comme on l'a actuellement avec FC24, tous les stades de Première Ligue sont donc modélisés également. Luton Town, par exemple, néo promu, malgré son petit stade de 10 000 personnes, peut aujourd'hui compter sur son écrin dans le jeu. On a eu ensuite l'arrivée de la Bundesliga entièrement modélisée, alors pas entièrement, mais à plus de 80%, ce qui m'avait grandement bien sûr réjoui. Et pour terminer, on a eu ensuite l'Espagne. On était en grande attente entre l'Italie et la France, et pendant quelques années, j'ai toujours parlé de la situation au niveau de la Ligue 1 et de la Serie A. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais je voulais d'abord parler de trois stats qui, d'après moi, si je devais donner une jauge, hein, un pourcentage de chance de les voir arriver, je donnerais une jauge assez élevée, entre un 80 et un 100% de chance de voir arriver ces stades dans le prochain opus de EA. La raison, elle est extrêmement simple, c'est que depuis quelques années, on remarque que le néo-promu anglais, les promus anglais, sont très souvent ajoutés. On a eu le cas de Nottingham Forest qui a eu son stade arrivé un peu plus tard. On a eu Brentford un peu plus il y a quelques années. Et cette année, c'est le cas de Luton Town qui était le seul club à ne pas avoir son stade au début du jeu. On peut également parler de Leeds United lorsqu'ils étaient remontés sous l'ère Bielsa. Cette année, au niveau de la Championship, la deuxième division anglaise, c'est Ipswich Town qui est actuellement en train de mener la danse. Mais pourquoi je parle de Ipswich Town là où on pourrait voir potentiellement un Leeds ou un Leicester ou un Southampton encore remonter? Simplement parce que les trois clubs que je viens de citer ont déjà leur stade modélisé. En Angleterre, la deuxième division anglaise est très très modélisée au niveau des stades. On compte quasiment plus de la moitié de cette ligue à 24 équipes qui voient ces stades modélisés et qui augmentent d'ailleurs l'immersion de ce championnat, ce qui est vraiment chouette. C'est la deuxième division la plus modélisée d'un point de vue stade dans le jeu. Et dans les 7 premiers de Championship actuellement, la seule équipe qui n'a pas son stade modélisé, c'est Ipswich. Et Ipswich, ben, ça tombe très bien, ils sont actuellement leaders. Cela veut dire qu'on aurait de très grandes chances en cas de promotion de Ipswich Town, et même peut-être que s'ils échouent à cette étape-là, étant donné que tous les autres ont leur stade modélisé, c'est pas impossible que ça les force à peut-être faire un ajout supplémentaire d'un stade dans ce pays-là, et Ipswich serait parfait pour être ajouté. Le stade d'Ipswich, c'est le Portman Road. Ipswich,
joue dedans depuis de nombreuses années et on compte plus ou moins 29 000 spectateurs, ce qui pourrait être ultra intéressant dans le jeu. Vous voyez des images qui défilent à l'écran. Cela pourrait être très sympa et surtout, alors, j'ai envie de dire une chose à 100%, s'il y a une promotion de Ipswich en Premier League, j'ai pas trop peur de m'avancer en disant que ce stade sera de toute manière sur FC25. Est-ce qu'il sera à son début de sortie? Je vais pas miser là-dessus parce qu'on a vu que des fois ils peuvent retarder les dates de sortie des stades, le temps de modéliser, etc. Mais il y a de très grandes chances que ce stade apparaisse, bien sûr, dans le prochain opus. Un autre stade que j'ai envie de parler et qui, d'après moi, on va plus tourner vers un 80% pour ce stade-là, c'est le stade de Darmstadt. L'Allemagne a aussi une grande importance pour y aller. On voit régulièrement des stades ajoutés opus après opus. Et cette année, s'il y a une équipe qui n'a pas son stade modélisé, c'est bien Darmstadt. Darmstadt qui est néo-promu, qui est actuellement quasiment condamné à redescendre en Bundesliga 2. Mais ce n'est pas freiné y est d'ajouter un club qui va être relégué dans l'avenir. On a eu l'exemple avec Greuther Fürth il y a deux saisons qui était en Bundesliga 1, qui n'avait pas su se maintenir, qui est donc descendu en Bundesliga 2. Et on a vu quoi? L'arrivée du stade de Greuth ajouté à la base de données de ce FC24, ce qui démontre que même si le club redescend, eh bien s'il passe, même si c'est une saison en première division, il y a de très grandes chances de voir ce stade être ajouté. Et justement, pour ce club de Darmstadt, il s'agit là, alors attention, la prononciation, pour moi ça va parce que la prononciation allemande me va plutôt bien, mais pour certains ça risque d'être compliqué, c'est le Böllenfalltor, qui est un stade de plus ou moins 17 000 personnes, rénové. Donc ça c'est aussi un point très très important pour y est. Ils vont pas investir du temps et des développeurs sur des stades qui pourraient être potentiellement rénovés. Là on est sur un stade qui est du concret, qui a une fraîche rénovation. Je vous mettrai des images de l'avant et de l'après. C'est vrai que le changement est assez impressionnant. Ce stade devrait et pourrait être ajouté à la base de données du FC25. Ce n'est pas le seul stade allemand que je compte parmi les potentiels ajouts. Ce serait également le cas peut-être du fameux stade de Holstein Stadium, le Holstein Stadium qui est dans le stade de Holstein Kiel. Kiel qui est donc dans le nord de l'Allemagne et qui est actuellement leader de Bundesliga 2. Et là aussi où ça conforte mon envie de vous annoncer que Kiel a de très grandes chances de voir son stade arriver dans le prochain opus, c'est que si tu analyses un tout petit peu le classement des clubs de Bundesliga 2 actuellement, on a St. Pauli qui a déjà vu le Milan Tor ajouté à la base de données cette année, on a Hambourg qui a son stade depuis quelques années déjà, on a le Fortuna Düsseldorf, et donc on n'a que des clubs qui ont déjà leur stade modélisé dans le jeu. Et donc justement, Holstein Kiel pourrait être ce nouveau stade ajouté à la base de données. Ça aurait pas mal de cohérence si on réfléchit de cette manière-là. En plus de ça, si tu analyses la situation en Bundesliga, on a eu l'ajout du Ruhrstadion, on a eu l'ajout du de l'Europa-Park-Stadion cette année, donc deux nouveaux stades à la base de données. Pour le reste des stades de Bundesliga, ils sont tous modélisés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à un 95% des stades en Bundesliga qui sont modélisés. Manque plus, eh bien, que le petit stade de Böllenfalltor, qui est donc le stade de Darmstadt. Il y a également peut-être le Vonovia Stadium de Heidenheim, voilà, qui pourrait être également ajouté, étant donné que Heidenheim va se maintenir en Bundesliga et a de très grandes chances de voir son stade ajouté. Ce stade a une capacité de plus ou moins 10 000 personnes. On parle peut-être d'une rénovation, ce qui pourrait freiner les développeurs à investir du temps là-dessus. C'était les stades que je voulais vraiment vous citer. Et pour moi, ces quatre stades que je viens de citer ont de très grandes chances d'être ajoutés parce que EA apporte de l'importance à ces licences que sont la Premier League et la Bundesliga. Parce que au niveau de la... Et je pense que c'est assez intéressant d'analyser au niveau du football anglais. Tous les stades de Premier League sont modélisés et les 7 premiers sur les 7 premiers de deuxième division, 6 d'entre eux ont déjà leur stade modélisé. Donc je crois que Ipswich, on peut presque dire qu'on va taper sur du juste et que moi je suis persuadé qu'Ipswich va avoir son stade qui va arriver. C'est mon point de vue personnel. Je laisse un petit peu plus de recul sur les 3 autres stades allemands, donc celui de Darmstadt, celui de Kiel ou celui de Heidenheim, où là on aurait... Voilà, je reste un peu plus perplexe et j'attends de voir ce que va nous proposer du coup EA pour la modélisation de ces deux championnats qui comptent, on le sait, beaucoup. Et parmi les licences qui sont en full licence, ces championnats sont très très souvent modélisés, notamment au niveau des stades et des clubs qui rejoignent la première division.
On passe maintenant bien sûr à une partie de la vidéo qui va vous intéresser pas mal d'entre vous, c'est la situation des modélisations de certains stades en France. On a vu que sur FC 24, on a eu l'ajout de Pierre Mauroy. Pierre Mauroy qui est donc le troisième club de Ligue 1 à être ajouté à la base de données du jeu après le Parc des Princes, et après le Parc des Princes, après le Vélodrome et après le Groupama Stadium. Ça veut dire que c'est donc le quatrième et non le troisième, excusez-moi. Aujourd'hui, on a énormément d'attentes. Hein. C'est vrai que quand on voyait chaque année un des grands championnats être modélisé, on s'est tous dit ben, « cette année, c'est la bonne, c'est pour la Ligue 1 ». Et malheureusement, les années passent et on se rend compte que la Ligue 1 est toujours autant mis de côté, presque autant que la Serie A. Ça, c'est encore un autre partie un peu plus complexe à analyser. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement attendre des arrivées de stades du côté de la Ligue 1? J'espère, j'ai envie de vous dire oui, mais je ne veux pas non plus vous donner de faux espoirs, parce qu'on sait très bien que la Ligue 1, c'est un petit peu plus particulier. Là où EA a acheté la totale licence eh bien, du championnat anglais et allemand, et également de la Serie A, ce qui devrait normalement nous permettre de peut-être voir d'autres stades, même si on sait qu'en Serie A, les clubs peuvent aussi vendre leur licence même au jeu. On l'a vu avec Konami, qui récupérait notamment la Lazio, les clubs comme, comme le Napoli, qui n'ont pas leur logo, qui n'ont pas leur vrai nom et qui n'ont pas leur maillot. Voilà, c'est très particulier la situation du côté de la Serie A, mais je ne vais pas forcément aborder le cas dans cette vidéo. Au niveau de la Ligue 1, c'est pas pareil, même si c'est un peu plus compliqué, on a l'impression d'aborder un partenariat pour un stade, parce qu'on a un peu l'impression qu'on doit étudier le cas à l'unité. Hein. On ne peut pas arriver, signer un contrat complet avec la Ligue 1 et pouvoir modéliser complètement le championnat, là-haut comme ils ont pu le faire au niveau de la Première Ligue et au niveau de la Bundesliga. Ça, c'est un peu plus complexe, il y a une question aussi de droit du stade avec les villes, etc. Hein, selon les quelques informations que j'ai réussi à retirer, c'est aussi pour ça que ça coince beaucoup. On a eu Pierre Mauroy, on en était extrêmement ravis. On était enfin en train de se dire que voilà, ça devrait bouger au niveau de la Ligue 1. Je n'ai pas envie de vous dire que l'on ne va pas avoir de stade arrivé en Ligue 1 cette année, parce que je ne peux pas vous me l'avancer, mais je ne peux pas vous dire non plus qu'on aura 4-5 qui devraient arriver. Il faut aussi aller un petit peu dans une logique que le développeur doit avoir, c'est quel stade est susceptible d'être ajouté. Aujourd'hui, en Ligue 1, tu ne vas pas forcément ajouter un stade de Clermont qui est bientôt peut-être en Ligue 2, mais aussi en pleine rénovation. Je sais qu'il parlait de rénovation depuis quelques années déjà sur la Méno. La Méno, est-ce que tu vas modéliser la Méno pour que cette dernière ne soit plus à jour d'ici quelques années? Je ne pense pas. Et également sur d'autres stades qui commencent à être vieillissants, on peut parler notamment de la Mosson de Montpellier. C'est des stades qui me viennent en tête. Moi, aujourd'hui, si je devrais m'avancer et citer deux stades que j'aimerais voir ajoutés dans la base de données, j'aimerais les voir ajoutés parce qu'il y a un certain engouement autour de ces clubs, parce que les stades sont remplis et que je vois un réel intérêt. Ce serait le stade, bien sûr, du RC Lens, le stade Félix Bollaert, qui est full tous les matchs, qui eh bien, se rapprocherait aussi de cette rivalité avec Lille. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais moi, ça me ferait bien kiffer. Et je mettrais une petite pièce sur Rennes. Rennes qui a aussi un beau stade avec son Razon Park, qui le remplit régulièrement, qui est régulièrement en Coupe d'Europe et qui pourrait être vu comme une enceinte très très belle à développer hein, pour les développeurs. Mettons-nous toujours à leur place. Il est vrai qu'on pourrait parler également hein, de Toulouse, on pourrait également parler de l'OGC Nice ou de la particularité d'un stade Louis II qui pourrait avoir son charme d'être dans le jeu. Je trouve que ça a énormément de cohérence de parler de ces stades. Mais par contre, ce seraient mes petites pièces. Voilà. Je n'ai pas forcément d'arguments plus qu'autre chose. C'est aussi peut-être un petit peu un avis et des envies personnelles de vous citer ces deux clubs. Mais étant donné qu'ils ont de gros stades, ils ont une belle atmosphère et qu'ils sont souvent en Coupe d'Europe, en tout cas pour Lens, pas encore. Lens revient en Coupe d'Europe, mais Rennes, c'est quand même un habitué ces dernières années de la Coupe d'Europe. J'ai envie d'y croire et j'ai envie de mettre ces deux noms. Un pourcentage de chance de voir ces clubs être ajoutés, je vais taper entre un 50 et un 70% de chance. On va être optimiste, hein. Voilà, c'est un pourcentage qui est personnel, mais voilà, moi j'espère voir arriver des nouveaux stades français. Je trouve que ça a son importance, et la plus belle chose qu'on pourrait m'offrir, ce serait une annonce d'une modélisation complète de la Ligue 1, même si avec les années, je commence gentiment à avoir du doute sur le bonheur de voir un teaser arriver et qui pourrait rebooster complètement toute la communauté francophone qui en a marre.
d'investir eh bien, du temps dans ses carrières qui sont dans des clubs avec des stades génériques et qui ne sont absolument pas réalistes. Et pour terminer cette vidéo, je voulais aborder maintenant sur trois stades que j'aimerais bien aussi voir arriver, et puis je vais aussi un petit peu argumenter les raisons. Trois stades qui sont dans trois pays différents. Le premier, c'est du côté de la MLS, c'est le stade de Toronto qui s'appelle le Rogers Center, qui est un stade étant utilisé autant pour eh bien, le football que le football américain ou alors que le baseball. Donc stade assez particulier avec sa forme un petit peu ovale comme on le voit sur ces images. Stade qui compte quand même un très très beau chiffre de 40 000 personnes lorsque le football est pratiqué dans cette enceinte et qui irait rejoindre une série de stades déjà bien présentes dans un championnat tel que la MLS qui est quand même bien représenté au niveau des stades puisqu'on compte quand même l'Atlanta. De gros ancrains, hein. Portland, on a notamment Atlanta, on a déjà Red Bull New York, pour ne citer que ceci. Il y en a d'autres, bien sûr. Et je trouve que ça serait vraiment chouette d'avoir ce club canadien, voir son stade arriver dans le jeu et apporter un petit truc en plus à cette MLS qui devient de plus en plus intéressant. Faut pas rêver, hein, la MLS génère beaucoup de revenus aussi pour le jeu. La licence est assez lucrative. Et c'est aussi pour ça, ça donne envie peut-être de toucher un autre public du côté peut-être des États-Unis. Là où je pense que le jeu est un petit peu moins joué, c'est un avis personnel, mais je pense que voilà, le jeu est principalement joué en Europe, même si c'est une des licences les plus jouées. Cela pourrait aussi peut-être pousser certains à tenter l'expérience FC 25. Pour ce qui est des deux autres stades, je vais compter un stade de Bundesliga 2. Ça, c'est vraiment mon kiff, ce serait mon kiff absolu. Ce serait de voir arriver le Fritz-Walter-Stadion, stade de Kaiserslautern de 55 000 personnes, stade qui a été utilisé notamment durant la Coupe du Monde 2006 et qui porte le nom d'une légende du football allemand. Pour moi, c'est plus qu'un stade qui a sa place dans la Bundesliga 2, qui est magnifique. Après, voilà, il n'y a pas de promotion. En plus, le club est en difficulté. Il y a très peu de chances de voir arriver ce stade. Mais moi, ce serait peut-être mon petit coup de cœur de voir arriver ce stade dans le jeu. Et l'autre stade que je voulais citer, qui a peut-être un peu plus de chances d'arriver, notamment parce qu'il a une certaine importance dans le football néerlandais, c'est le stade du Feyenoord, qui s'appelle le De Kuip. Je ne sais pas si je prononce juste, hein, avec la prononciation flamande. C'est un très très beau stade. Hein. De Kuip, c'est le stade où il joue en fait, la finale de la Coupe hollandaise chaque année depuis quelques saisons maintenant. Quand tu sais que tu as le stade du PSV et que tu as le stade eh bien, de l'Ajax d'Amsterdam qui sont dans le jeu, je trouve que ça a une belle cohérence de voir arriver le stade eh bien, du Feyenoord, qui est aussi un très grand club du pays, qui est un club historique du football néerlandais, et surtout un stade qui a une certaine importance dans l'histoire du football hollandais. Je trouvais très très sympa d'aborder ces trois stades, que je me ferai un très très grand plaisir, hein, je ne vais pas vous le cacher, de les voir ajoutés à la base de données de ce FC 25. Voilà, pas beaucoup de mots sur la Serie A et la Liga Santander. Les raisons, elles sont aussi que les stades sont assez vieillissants et que ça rejoint un petit peu pour moi l'idée d'y est de moderniser modéliser des stades qui ont un potentiel à ne pas bouger dans les années à venir. Hein. Ça, c'est clair que aujourd'hui, quand tu vois que les gars ont modélisé durant le courant de cette année le Ruhrstadion de Bochum et que le Bochum vient officiellement d'annoncer la rénovation de stade, modernisation de son stade, hein, bah voilà, tu te dis que bah, c'est pas tout à fait la même chose. Tu sais que tu as certains stades qui ne sont plus du tout comme avant. Si tu joues avec Villarreal, la Ceramica est la Ceramica d'avant et elle n'est plus d'actualité. Donc peut-être que aussi IE va apporter un peu d'importance à modéliser des stades qui ont eu un petit coup de refresh ces dernières années de manière à être au goût du jour. Ce que je ne veux pas, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est voir à nouveau des nouveaux stades génériques arriver. Créer des stades génériques apporte très peu. Je pense que financièrement pour eux, ça leur coûte pas grand-chose. Mais moi, j'ai aucun intérêt de voir des stades génériques arriver en masse dans le jeu, là où tu pourrais... Je préfère encore... ne pas voir quatre stades génériques arriver et voir un stade modélisé d'une équipe. Voilà, tout simplement. C'est mon avis personnel. Je préfère aller vers une modélisation lente de tous ces stades importants en Europe qu'une modélisation générique qui ne nous apportera pas grand-chose. On a vu que ce n'est pas non plus quelque chose qui plaît beaucoup à la communauté. Voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur cette petite vidéo un peu informative. C'est pour moi une manière de m'exprimer. Je me suis un petit peu renseigné sur mon avis et sur les stades en question. Je trouvais qu'il y avait pas mal de cohérence. À vous de me donner votre avis dans les commentaires. Donnez-moi aussi les stats que vous souhaitez voir arriver dans le prochain opus de IE. Ce serait avec plaisir que j'analyserai tout ça. On se retrouvera bien sûr un peu plus tard hein, dans l'année pour d'autres informations, d'autres nouveautés qui pourraient arriver au fur et à mesure que les teasers sortent.
Restez connectés, c'est extrêmement important. J'espère que vous avez pris du plaisir. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao, ciao.